À l'ombre de cet arbre, les dignitaires du culte vaudou du département du Mono, LCNCVB Racine, échangent avec le député Dakpé Soussou, lui qui est venu leur renouveler son soutien inconditionnel comme il en a l'habitude chaque année à la veille de la célébration de la fête du vaudou. L'année dernière j'y étais, il y a 2 ans j'y étais également, et cette fois-ci je suis arrivé pour préparer avec eux. Avec tous les adeptes vaudou, les dignitaires, les responsables à divers niveaux de la hiérarchie vaudou, la célébration prochaine de la fête du 10 janvier. Dakpé Soussou œuvre ainsi pour le rayonnement et l'émergence de la chose culturelle, ce qui augure d'une parfaite réussite de cette fête qui rassemblera aussi dans quelques jours les adeptes et dignitaires des religions endogènes du département du Mono. Et nous allons fêter dans la joie de la convivialité et je crois que cette année sera une année spéciale. Nous remercions beaucoup le chef d'État. Lui, il sait que c'est au bout de l'ancienne qu'on conquise la nouvelle. Que Dieu, le membre de nos ancêtres, le garde sa femme et ses enfants. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 janvier prochain, date à laquelle les fétiches et les divinités des couvents vaudous du Bénin seront à l'honneur.